Nous disons bonjour, bonsoir pour tout le monde qui suit nous. C'est l'équipe Haïti qui est entrée la CAI ou à travers Jenny la CAI pour porter pour vous un sujet. Comme vous toujours connaissez, chaque mois, c'est un devoir pour nous de nous partager ensemble avec vous un sujet qui peut aider à grandir la connaissance ou bien qui peut aider à connaître quelques choses que t'as deux qu'on ont bien qu'on connaît parfois ou négligé. Pour ça, moi accompagné de ingénieur Pierre Sergine ou moi-même tout le monde connaît déjà c'est ingénieur Darina Wilford. Nous avons un sujet qui belle en pile, qui est important en pile, que yon bagay qu'on utilise en Haïti. En pile monde qu'on néglige parler de lui, mais nous-même nous voulons parler de lui, qui c'est utilisation des puits en Haïti. Puis yon bagay qui créé pour nous capable de l'eau. Ensemble, nous prenons le qui importance li, comment que li utilisé en Haïti, parce que très souvent en pile côté, surtout dans pleine, yon utilisé puits. Donc m'a demandé pour suivre nous avec en pile attention et pour sujet ça va le débat là. Merci en pile. Bonjour. Comme ingénieur a dit nous, moi c'est Pierre Sergeline, nous pral parler des puits. Mais qui ça yon puits? Yon puits c'est un espace ou creusé dans sol là ou bien terre là, généralement circulaire et très profonde jusqu'à ce que ou atteindre nappe d'eau souterraine ou bien nappe phréatique là. Bien, nous allons parler des types de puits et à travers l'explication, nous allons parler des types de puits pour voir qui façon ils utilisent pour fouiller chaque puits. D'abord, pour le type de puits, il y a trois. Il y a un puits creusé, un puits foré et un puits foncé. D'abord, nous parlons des puits creusés, c'est qui ça lié. Puis ça, généralement, c'est lui-même en plus monde construit. Et parce que les construit plus facile, alors moins coûteux, mais comme ça tout, les demande plus d'efforts physiques les construire. C'est à dire que parfois, ils conservent avec des appareils mécaniques, mais qui peuvent être souvent. L'autre bagaille, pour capable de plus ça, ils jam solide, ils ont entouré avec wash comme ça tout. D'un côté, ils ont mis drain et d'un autre monde qui ont utilisé doom pour qu'embé sol là pour pas rendre terre tomber dans puya encore parce que c'est un puits par rapport à Jean fouiller ya, donc manuellement fouiller, donc pour protéger, pour pas quitter de l'eau, pour pas quitter de sable entre là-dedans, donc ou obligé protéger encore. C'est un puits généralement li plus recommandé l'offre de l'autre côté nappe phréatique là li ont tigeant et ro, donc laisse ça là bon moins travail pour profondeur ya, généralement, il y a estimé entre 10 à 20 mètres. Mais c'est rarement pour une qui 30 à 40 mètres. C'est pas aussi facile pour une par rapport avec force ou bien force à le faire pour capable fouiller à niveau ça. Donc, l'autre inconvénient, même plus ça gagne, plus que Zéa, l'ion tigeant séché plus facile parce que l'on pas fouiller avec assez de profondeur. L'autre puits. N'a parlé de lit, alors l'autre type de puits et n'a parlé de lit, c'est puits qui est le plus foncé. Puis ça lui-même, utiliser un appareil et perforé pour capable creuser dans l'espace que vous pouvez fouiller. Puis là, c'est un type qui est très pointu pour utiliser. Pendant qu'on fouille là, alors c'est un mouvement va-et-vient à faire pendant qu'on fouille là. Et en même temps, il y a un espace là-dedans pour larguer un tube pour mettre de l'eau. En même temps, fouiller la besoin de l'eau qui pour rendre sol là plus ou moins facile pour capable fouiller puis ça. C'est un puits qui car fouiller entre 15 jusqu'à 100 mètres. Tout dépend des façons ou besoin là, li plus ou moins est profond par rapport avec puis et cuisine t'ai parlé tout à l'heure. Donc,
puis ça lui-même l'autre avantage gagné non seulement lié de jeune loi plus profond et puis lui aide à faire moins effort physique les wafoué puis ça bien alors dernier puis n'a parlé de lui c'est puis forêt ou bien forage yo utiliser moyen pour faire et puis ça c'est moyen technique qui très très moderne donc il est pas archaïque c'est une très moderne donc c'est une machine yo utiliser machine en fait pour ça même pour fouiller des puits ou bien des trous quel que soit type de sol taillé donc nous pas aucun problème même si sol là tu as un sol qui gain roche là-dedans et puis ou bien gain l'autre bagage qui t'a empêché les fouiller mais par rapport avec type de machine ça utiliser ya par rapport avec force que machine ça ou bien moteur ça lui-même il pral produit non et appareil ça qui pral fouiller pour rentrer dans toi donc il pas aucun problème pour fouiller et son puits qui c'est un appareil qui fouille puis jusqu'à environ et 300 mètres n'a quel que soit niveau tu as besoin là donc ça c'est puits olé puits forêt ou bien et forage là c'est comme ça je fouille lui. Nous souhaitons comment vous fouillez puis et qui différents puits qui gagnent mais vous avez une utilité tout et c'est de ça même que je vais parler qui utilité puis vous gagnez dans une communauté ou bien la caille premièrement nous connaissons de l'eau c'est la vie. Et là nous fouiller puis c'est de l'eau yo ban. Eh bien, puis ça yo nous fouiller gon grand importance dans la vie nous. Yo aider nous dans tâche ménagère. Tant que l'on dans caill là tout travail wap fait, wap passer mop. C'est de l'eau wap fait manger, c'est de l'eau wap laver vaisseau, c'est de l'eau eh bien l'on gon puis la caillou ou capable mettre yon pompe sous li jan ingénieur so di nou et puis pour alimenter de l'eau en dan kay la pour alimenter de l'eau dans toilette là ça yo rele château d'eau ou plenisse l'eau à partir de puits ou gen la kay et de l'eau jwenn nan évier tout c'est à partir de puits ou gen la kay et la kouaka en dokiné li ka en béton ou prend plan qui gen un tube ou laver toute la koua. Tout ça c'est à partir de puits ou laver machine tout ça c'est à partir de puits alors yo gon grand importance dans la vie nous même qu'a vie parce que yo économiser parce que gien côté qui pas gagner puits gien zone tout qui puits pas ka fouiller là gien moun qui gien puits à la caille li économiser quantité quoi yo t'a dépenser. Parce que imaginons on côté pas gain de l'eau pas acheter d'eau $20-25 et bien l'eau gain puis à la caillou li économiser il suffit que ou dépenser ou faire et puis ou connait li là pour la vie parce que toujours gain d'eau les la pluie tombe et ceci li gain côté tout pour fouiller puis ça yo pas doit fouiller bon fossétique ça veut dire l'eau fouiller tout pour toilette dans caillou li pas doit fouiller bon canal pré canal c'est ça fait l'eau fouiller puis la caillou li gagner position et que tout ça nous est avec ingénieur Wilford. Il y a une position pour fouiller là parce que l'aide de l'eau lui-même, il vient en bataille, c'est tout net qui va le rencontrer, il risque de l'eau ça gon fait un impact sur. C'est ça fait puis en lui-même, il y a des monde qui boit lui. Et tout à l'heure, on va dire nous tout et mais comment on capable désinfecter de l'eau qui dans puits parce que il y a des monde qui boit tout ça qu'on est et ou capable faire avec de l'eau pas forcément de l'eau potable c'est avec de l'eau puant ou même ou fait c'est ça fait les grands puits dans communauté les grands puits la caillou li gen une grande importance qui vraiment bien la caillou c'est tout ça c'est toute utilité c'est importance yon puits gagnent pour nous alors tenez bagay nouvelle vidéo c'est
pour capable protéger ou bien l'autre le faire plus là d'abord faut qu'on penser avec protection. D'abord, il doit une distance de environ 30 mètres par rapport avec toilette qui t'a dans la zone. D'autre en plus, ou t'as de faire du là quand on connaît fatra salubrité pas envahir parce que depuis les contaminé ou bien depuis gain vieux fatra là-dedans donc laisse ça la vienne rendre puis très sale. Donc non seulement ça et l'autre protection qu'on te baou, l'en t'a parlé avant des utilisations bien des façons faire puya comment yo protéger. Tout soit servi, tout soit utilisé, ou utiliser avec bon fin pour aider protéger la bio. Donc prends son, prends ton loi fond puis pour comment pour faire côté pour faire plus capable protéger. Et ou capable désinfecter l'eau dans puya avec l'eau de Javel. Ou prend l'eau de Javel là ou mélanger avec de l'eau puissante et puis ou ouvrir tout robinet qui gagne dans caïla les tout temps sent là à monter ouvrir et puis la rentrer dans robinet après ou vinn fermer les sent là vinn ro en pile li pénétrer au profondeur et puis ou fermer l'eau fin fermer après 24 heures de temps ou capable ouvrir robinet ça pour capable utiliser là c'est un moyen ou capable désinfecter de l'eau qui n'a plus bon l'autre moyen encore ou capable verser 1 litre d'eau de javel 1 à 3 litres d'eau de javel là dans puya chaque 30 mètres. Chaque 30 mètres là signifie 30 pieds en profondeur dans puya. Après ça ou prend tube qui dehors caille là ou prend tube robinet qui dehors caille là ou prend l'autre pointe là ça qui qu'on a flité les pour user fleur ou bien pour user la croix ou prend l'autre pointe là ou mettez dans puya afin de réaliser un circuit fermé et puis après 24 heures de temps ou déconnecter li dans puya là encore son l'autre moyen ou capable désinfecter de l'eau qui dans puya et parmi type de puits et puits c'est approvisionnement qui pi ancienne ça veut dire qu'il a depuis nan tan longtemps parce que faut dire nous gion type de puits et yo te kon fait longtemps qui te gagné depuis longtemps c'est ça les ou fin fouiller toi et puis ou maçonner li pour éviter effondrement ou faire en maçonnerie et avec roche de bord monté et puis qu'on a là ou pour un saut ça aurait les sioa ça moun aurait les sioa soit ou prend ou fait li tant qu'ou avec yon bidon l'huile qui te konn gen longtemps et puis ou mari en code la dan ou bien un petit bokit de beurre ou prend lancelan ou mari en code la dan et puis qu'on a la pour tirer de l'eau ou lancel dans troua et puis ou monter avec lui plein d'eau c'était moyen moun yo te kokampé c'était moyen moun yo te konn utiliser longtemps pour yo prendre de l'eau et jusqu'à présent gen type de puits sa yo toujours. Nous disons merci à tout le monde qui toujours prend temps pour nous suivre sur www.genilakay.com et sur la page Facebook nous qui c'est équipe Haïti. Et invitez la famille et amis venir regarder la vidéo ça yo parce que yo utile et puis pour yo aider nous mettre maintenant pat là pour nous continuer faire travail là. Merci à tout le monde qui toujours prend temps pour regarder nous. Merci, merci. We'll be right back.